Arrête tout ce que tu fais et écoute-moi attentivement. J'ai une question très importante à te poser. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? On n'obtient pas certaines choses facilement. Les choses ne viennent pas toutes seules. Tu dois aller les chercher. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. Si tu fais des choses faciles, tu ne les auras jamais. Si tu restes sur ton lit à les rêver, ça ne va jamais venir. Il faut les vouloir. C'est vrai, tu peux rester où tu es. C'est aussi un choix, sans problème. Mais tu ne peux pas rester où tu es si tu veux quelque chose d'autre. Et n'oublie pas. N'oublie pas qu'il y a des gens qui volent ta place. Il y a des gens qui veulent prendre ta place. Et il y a quelqu'un qui est en train de bosser sur le même rêve que toi. Il n'y a pas que toi. Il faut faire de ses rêves une réalité. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que tu bosses tes rêves, tu travailles sur tes rêves. Je me pose la question chaque jour, si tu es réellement conscient des 24 heures que Dieu t'offre chaque jour. Tu dois avoir un plan dans ta vie. À quelle heure je dois aller dormir, à quelle heure je dois me lever. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je ne dois pas manger? Pourquoi? Parce que chaque jour compte. Chaque heure compte. Et chaque seconde compte. C'est pourquoi, si tu te réveilles chaque jour, tu dois te donner les moyens et donner le meilleur de toi-même. Change tes pensées et arrête de voir la douleur comme étant quelque chose de négatif. Le chemin vers le succès fait toujours mal. Si tu veux accéder au succès, obligé, tu dois emprunter le chemin de la douleur. La vie, elle n'est pas facile. Si la vie était facile, tout le monde allait réussir. Mais tel n'est pas le cas. Accepte la douleur et torture ton corps. Si tu supportes cette douleur atroce, crois-moi, tu auras cette place que tu rêves. Souviens-toi qu'une seule idée, une simple idée pour changer le monde et écrire une nouvelle histoire. Quand tu supportes la douleur que cette vie t'inflige, tu pourras démontrer à ces gens-là qui t'ont sous-estimé. Tu pourras les montrer que tu peux. Il y a beaucoup de personnes qui tenteront de t'arrêter et d'essayer de briser tes rêves. Alors, montre-les qu'ils ont tout faux. Parce que t'es le meilleur, c'est toi le meilleur. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais, je le répète, n'abandonne jamais. Et commence tout de suite et maintenant. Ça commence tout de suite et maintenant. Merci de m'avoir prêté votre attention. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement.